chance. Eh bien, après 11 longues et difficiles années, ça arrive, bébé! And we know that this moment would not have been possible. Et on sait que ce moment n'aurait pas été possible sans mes frères. Mes frères, venez là, les gars, venez là. My boys, the New Day! Mes gars du New Day! Et remarquez tout de même que Daniel Bryan ne bronche pas. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je croyais qu'il était en train de poser pour le musée Grévin, en fait. Ah, c'est possible. You deserve it. Tu le mérites, Kofi, évidemment. That's what I'm talking about. You see, vous voyez, I also know, je sais également que rien de tout ça n'aurait été possible sans les tweets, les hashtags, les top tweets, les lettres, les messages de fumée de vous, l'univers de la WWE. C'est vous, c'est grâce à vous que cela arrive. Et grâce à vous aussi, sur le hashtag SmackDown AB, l'univers francophone a toujours soutenu Kofi. Et dans la nuit du 10 au 11 mars prochain, Fastlane, oh, à Fastlane, je vais faire ce que tout le monde veut me voir faire depuis longtemps. Je vais battre Daniel Bryan et devenir champion de la WWE. Il a, comme on dit, le vent en poupe. Les Américains appellent ça le momentum, l'élan, si vous préférez. Et en effet, il a la confiance de la réussite et des victoires. Alors on se met à table et on s'y va. Et vous pouvez aussi chez vous. Hein. N'hésitez pas. On se lâche ce soir. C'est le week-end, c'est les vacances pour certains. Alors oui, on fait Kofi, Kofi. Daniel, si tu veux bien officialiser tout ça et signer le premier, le champion de la WWE sans prononcer le moindre mot, signe désormais ce contrat. Est-ce que c'est de l'encre de pieur? Ah, je ne sais pas, Philippe. L'encre de pieur. C'est certainement le plus grand moment de la longue carrière de Kofi Kingston. On est content pour lui. Dans la nuit du